Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est FM Grant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière avec Plymouth Argyle sur Football Manager 2020. On s'était laissé sur le match de Carabao Cup qu'on a gagné au tir au but. Donc bon, on avait fait un bon match quand même. On menait et on s'est fait reprendre. Et après, ça s'est joué au tir au but. Très très bon gardien. Sarcevic n'a pas été bon du tout, mais c'est pas grave. Là, on affronte les 22e, donc les derniers, un des favoris. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non, j'ai mis jouer. Que j'ai mis jouer. On peut pas l'enlever en plus. Bon, c'est pas grave. On va quitter ça. On va aller sur la page d'accueil. Je vais le faire avec vous. Je vais demander de. Ah oui, je peux même pas prendre. Je peux même pas faire une demande. En gros, on a B-. Ça va. Ça va. On a connu pire. Ah, on est en dépassement de salaire. Ah oui, j'ai fait revenir un joueur, donc du coup, on est en dépassement. Donc il va falloir se libérer d'un joueur. On va le faire tout de suite. Alors les contrats, qui c'est qu'on a de cher et qui nous sert à rien? Fou. Josh Grant, prêté par Chelsea. Non, lui il joue. Liam Cullen, il joue. Alex Palmer, notre gardien, lui il joue. Donc on va le garder. West Brom. On a pas mal de prêts quand même dans cette équipe. Hein. On a pas mal de prêts. Lui, de toute façon, il joue pas et ça sera pas assez. Que ça sera pas assez. Zach Redden, on va le garder. George Cooper. Il est offensif gauche. On va le garder. Il faudrait qu'on vende un joueur. Qu'on va faire déjà, on va le laisser partir. Bon, c'est pas grave, regardez ce qu'on va faire. On va aller dans les finances, ajuster le budget. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Et on va partir pour le match contre Northampton. On est bien. De toute façon, on n'avait pas besoin de se renforcer. On va le féliciter pour ses prestations. Voilà, c'est parti. Étant donné qu'on joue les 22e, ça risque d'être assez simple. Si on fait pas une contre-perf, donc ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a. Non, après c'est un match de coupe, donc on s'en fout. Dans le sens où on va pas la jouer. Je crois que c'est pas un de nos objectifs. La leasing. Attends, le deuxième tour minimum. Ah oui, il faut qu'on atteigne le deuxième tour. On joue contre MK Dons. On va changer ça déjà. Voilà. Baxter, Judge Grant, Sawyer, Canavan, Wooton, Redden. On va partir là-dessus. On a l'équipe qu'il faut. Donc, on va partir là-dessus. Allez, le vestiaire. On va avoir l'attaque qu'il faut. On attend juste une victoire. Jouer. On est 6e pour l'instant, donc c'est quand même une bonne paire.
voilà, parce qu'on commence très très mal le match. Encore 20 millions de plus.
mais du coup, et si vous continuez tout ça, travaillez dans le centre Zara. On va dire ça. On va le dire délégué à la fin pour le reste. Début de la seconde période. C'est là où nos choix vont être intéressants. Il va falloir faire de bons changements. Et touche. Touche de Grant. Pour Mo. Mo. Qui c'est qu'on va pouvoir faire entrer? Déjà, on va sortir Mayor. Il n'est pas du tout dedans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On va annuler. On va faire entrer notre petite recrue en prêt. Voilà. Et Joel Grant va rentrer à la place de Billy. Non, pas de Billy Clark. On va voir qui c'est qu'on va pouvoir faire rentrer à la place de Moore, parce que Moore est pas du tout dedans. On va faire ça. Tac. Et on va faire rentrer Joel Grant. Derrière, on a Judge Grant qui est pas en super forme. Donc on va faire rentrer Mac Fadzin. Voilà. On a fait nos trois changements. Pour Edward, pour Grant, un petit coup de balle. C'est bon. Grant pour Rudel, c'est dégagé. Hoskins, je le mets toujours à la main. C'est pas mon équipe. Au-dessus. Très beau match quand même. 5 buts dans un match. Mac Fadzil pour Thierry Martin. Baxter. Attention, pas de participation nécessaire. Fadzin. Warburton. Warburton. Warburton est tout seul. C'est notre tour, Phoenix. Allez, notre Fadzin. Pour Clark. Clark, Baxter, c'est un petit peu fort. Qui va y aller tout seul. Pour Williams. Mac Fadzin. Pour Thierry Martin. Mac Fadzin. Pour lui. Eddie Jotel.
Voilà. Victoire 4-3. Tac, premier avec 13 points. On est 5 à être dans les premières places. Voilà, ça c'est une bonne chose, une bonne prestation. Alors, comme on peut voir, on est classé troisième. On a pris 216 points entraîneur. Après, voilà, faut pas oublier qu'on a zéro. On a zéro. Comment dire? On a zéro diplôme, excusez-moi. Mais après, voilà, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce on va prendre des diplômes au fur et à mesure. Donc bon, c'est pas un problème. Le problème, c'est que là, on peut pas. Ah d'accord, c'est des groupes, c'est pour ça qu'ils sont premiers. Après, je sais pas ce que ça donne. Que je sais pas ce que ça donne au niveau du championnat, mais on les voit pas dans les premières places. Hein. Le temps de chargement très très long. Hop là, attendez, on va mettre un coup de boost. Faut mettre haute performance. Et voilà, c'est parti. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus vite. On ne va pas participer parce que notre équipe est assez fournie. On a des joueurs qui ne joue pas, donc c'est ça serait nous tirer une période d'enregistrement. Oui, on va enregistrer. On a rappelé un joueur de prêt, donc voilà, parfait. Quatre joueurs en sélection. Ça, j'avais pas prévu. Oh non, j'avais pas prévu ça. On joue le 9e après. C'était pas prévu comme ça du tout, par contre. Comme on peut voir, on prend des jeunes, mais c'est pas moi qui m'occupe de tout ce qui est centre de formation. J'ai délégué, moi je compte vraiment me mettre que sur l'équipe de Plymouth. Comme on peut voir, vous voyez, il y a quand même du potentiel. Si on va voir le centre d'apprentissage, on a Marc Mackey. Assez bonne note en équipe première, à un niveau pour évoluer en Plymouth, mais a aussi besoin de temps de jeu en moins de 23 ans. Pourrait devenir un joueur vedette avec le potentiel pouvant être meilleur qu'Anthony Sarcevic. Après, comme on peut voir, on a des grosses progressions. Par exemple, celui-là. Quand on peut voir, il a pris en endurance, après il a quand même des bonnes notes. 15 en collectif, 16 en détermination, contrôle de balle.
passes, technique. Il y a quand même de belles notes. Qualité physique, 17. Ça, c'est vraiment bien. Après, voilà, au niveau des attributs, c'est. Après, faut regarder le profil du joueur aussi. Hein. Ce contre avec Plumot, il a un très très bon potentiel. Après, voilà, si on a besoin de deux joueurs, parce qu'on a personne, on ira chercher dans notre centre, c'est pas un souci. Je suis plus un entraîneur qui donne du temps de jeu aux jeunes que à chercher automatiquement des transferts. Ça, c'est quoi? C'est un prêt. Donc oui, on va accepter les offres de prêt, hein, parce que bon, on l'utilise pas. Ça sera mieux qu'il joue dans un autre club. Voilà, après on peut voir qu'on a énormément de jeunes joueurs qui arrivent. Après on va peut-être falloir se calmer au niveau des finances. Parce que voilà, le problème il est là. C'est que derrière, eh bien, on prend cher au niveau des finances. Donc je pense qu'il va falloir. Fasse ça. Hop là. Gabriel Kirmateng m'a pas du tout. Je sais pas s'il peut être rappelé. Voilà, le prêt ne peut pas être résilié, ça c'est dommage. Les transferts. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On fera le prochain match dans une autre vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Laissez un like. Ciao.